Allez, j'ai une question pour toi, j'en ai même quelques-unes. Est-ce que ça fait longtemps que tu n'as pas eu une activité physique? Est-ce que tu connais le Pilates? Est-ce que, par exemple, tu dis, tiens, là j'en ai marre, je me suis un petit peu encroûté, j'aimerais retrouver, je sais pas, un petit peu de souplesse, un peu De de... tonus, remodeler son corps, surtout avant l'été, ça peut être intéressant, se sentir bien, apaisé, tout simplement. Voilà. Et est-ce que par exemple, tu te dis, tiens, aujourd'hui là, j'en ai marre et j'ai envie de reprendre une activité physique, que ce soit peut-être là le sujet de cette vidéo que tu vas connaître dans pas très longtemps, que ce soit faire du fitness, faire de la danse, avoir une activité bien-être, que sais-je. En tout cas, sur cette vidéo, avec Heidi qui va se présenter juste après le jingle, on va te parler de ça. Allez, c'est parti! Alors, je vais vous présenter la méthode Pilates, qui est vraiment un art pour remodeler son corps et le renforcer, le tonifier, tout en respectant sa physiologie, sa physionomie, et puis aussi de manière harmonieuse, vous allez développer vos muscles de manière équilibrée. Alors, avec le Pilates, au bout de 10 semaines, vous pouvez déjà obtenir des résultats. Avec une séance par semaine, déjà vous allez augmenter votre capacité respiratoire. Ça, c'est la première chose. Ouais. Deuxième chose, votre capacité de concentration va aussi augmenter. Deuxième. Et puis, très rapidement, vous allez vous sentir beaucoup plus souple au niveau de vos articulations, avec un allongement de vos muscles qui va se faire progressivement. Alors, maintenant que tu as compris les résultats que tu pouvais avoir grâce à la méthode Pilates en faisant que quelques cours durant quelques semaines, maintenant Heidi va t'expliquer qu'est-ce que tu peux avoir ou les résultats que tu peux obtenir au bout de plusieurs mois de pratique. Tout C'est à ça? fait, oui. À moyen terme, les avantages, ça va être d'augmenter votre conscience corporelle, d'utiliser vos muscles à bon escient, donc d'éviter des blessures en fonction du coup des exercices des sports que vous pratiquez en dehors, qui peuvent être de plus ou moins haut niveau. Mais c'est aussi en matière de rééducation, après des blessures par exemple, ou des opérations, etc. Vous allez pouvoir utiliser votre corps de manière optimale. Ça Donc voudrait ça, dire alors que quand tu as eu un accident ou que tu as eu une opération, suite à des séances de physio, oui, tu peux faire du pilates. exactement. Le Pilates est vraiment peut vraiment s'associer à la physiothérapie pour justement aller utiliser vos muscles en conscience, et votre capacité de concentration va vous permettre d'aller les activer beaucoup plus rapidement. Comme tu auras compris, aujourd'hui on parle de la méthode Pilates pour ton bien-être et surtout pour que tu te sentes beaucoup mieux et que tu te sentes en pleine forme et en bonne santé. On a oublié de se présenter, alors on va juste se présenter vite fait, comme ça tu vois qu'ici on est dans un local avec des petites fleurs, avec un meuble derrière nous. Bref, on est chez Gapdance aux Acacias à Genève. Nous, on est spécialiste de la danse et du fitness à Genève maintenant depuis de nombreuses années et on fait du Pilates. Et aujourd'hui, cette vidéo est spécialement axée sur l'activité du Pilates. Et je suis en bonne compagnie et elle va se présenter elle-même. Et comme tu comprendras, c'est elle la professionnelle du Pilates et qui va t'inciter à venir ici à Gapdance, chemin de la Gravière, deuxième étage, à côté de l'Aligro, en face du poste de police. Et on va se rencontrer très prochainement, j'en suis sûr. Donc moi je m'appelle Heidi, je suis instructrice de Pilates Matwork, donc sur tapis. Depuis environ 4 ans que je pratique cette merveilleuse activité, autant pour l'esprit que pour le corps. Et puis accessoirement, je suis aussi infirmière au HUG, activité que je pratique en parallèle. Alors moi, j'aurais envie de vous dire que c'est une méthode qui s'adresse vraiment à tout le monde et à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va de toute manière travailler la respiration et la concentration de manière à avoir des mouvements plus fluides. Donc vous pouvez adapter vos mouvements en toute sécurité. Donc vous pouvez y aller en douceur et plutôt axé sur un travail de relaxation et de détente. Mais vous pouvez aussi aller beaucoup plus intensément dans cette pratique à partir du moment où vous progressez. Et là, on va venir travailler vraiment la conscience de l'utilisation de vos muscles, et vous pouvez aller du coup vraiment très loin dans des exercices très difficiles.
Et puis, on ne s'ennuie jamais en pilates parce qu'il y a une pratique qui est hyper diversifiée. Et si, par exemple, je suis en surcharge pondérale, que je ne suis pas très souple ou que j'ai plus de 55 ans et que je suis un senior actif, mais pas très souple, est-ce que tu penses que le pilates est adapté à moi? Est-ce que je peux le faire ou est-ce que tu me dis non, va faire du yoga? Alors moi, j'ai envie de te rassurer parce que du coup, on a le pilates doux où justement, vous pourrez travailler en fonction de vos capacités, beaucoup plus en douceur et pas en force, ni trop intensément. En fait, vous adaptez. Et moi, de mon côté, je vous proposerai des adaptations également. Ah. Ça, donc avec des coussins, avec des modifications de mouvement, voilà, pour vous permettre justement de vous sentir plus à l'aise dans les exercices. Et je vais rebondir là-dessus parce que chez nous à GapDance, c'est vraiment une chose qui est importante et sur chaque activité, sur tous les cours qu'on propose ici aux Acacia, c'est que c'est pas toi qui va t'adapter à nous ou au prof. Parce que le prof, il va vite ou qu'il explique vite ou qu'il fait des choses qui sont compliquées. Non, c'est nous qui allons nous adapter à chaque personne pour que vous puissiez passer un bon moment et que cette séance t'apporte du bien-être, que cette séance soit bénéfique par rapport à ce que tu recherchais. Maintenant, on avance un petit peu sur cette vidéo. Là, tu commences à vraiment comprendre de quoi on parle, de cette méthode Pilates. Mais j'aimerais qu'on soit clair et précis avec toi et que Heidi t'explique vraiment les bénéfices exacts, point par point, pour que tu dises « Ah, cette activité-là, ça me plaît. Cette activité-là, j'ai pas envie. » J'espère que ça va vous plaire. Alors, premier point, vous allez utiliser donc votre ceinture abdominale, donc ainsi que votre respiration, donc thoracique. Donc vous allez tout de suite voir un affinement de votre taille. Ouais. Pareil, vous allez utiliser vos muscles excentriquement et concentriquement. Donc vous allez voir un allongement aussi au niveau des muscles de vos jambes, de vos bras, etc. Donc une silhouette beaucoup plus allongée et beaucoup plus équilibrée. Étiré. Ça veut dire que voilà. Si tu fais 1m59, au bout de un an, tu vas faire 1m62. Exactement, c'est presque un peu ça. Voilà. Ensuite, vous allez avoir une diminution de la tension interne, hein. Donc un sentiment vraiment de bien-être, d'apaisement interne. Voilà, donc ça c'est aussi un autre point. Vous allez avoir votre concentration qui va s'améliorer. L'amplitude respiratoire, on en a parlé, qui va être augmentée. Donc pour les coureurs, ça peut être très intéressant, par exemple. Ou pour les personnes âgées qui ont tendance à avoir une cage thoracique un petit peu trop moins souple, on va dire ça. Est-ce que ceux, par exemple, qui ont des problèmes d'asthme, exactement. Ça pourrait être aussi Oui, tout à adapté. Fait. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà, et puis au fil des séances et au fil du temps que vous allez pouvoir pratiquer ça, vous allez voir votre posture se modifier en fait. Vous allez vraiment ressentir des corrections qui vont se faire puisque nos os se régénèrent, donc votre posture va se modifier aussi. On voulait aussi vous préciser, si jamais vous êtes en convalescence, en rééducation, le pilates est totalement adapté puisqu'il est respectueux de votre corps. Donc vous pouvez venir au pilates doux que l'on propose le matin, le jeudi matin à 10h. Et là, vous pourrez reprendre votre activité en reprenant confiance en vous, dans votre corps. Et puis progressivement reprendre cette activité qui vous manquait. Alors actuellement, on a une offre de 30 cours valables pendant une année avec une remise intéressante quand même de 40% pendant encore quelques jours. C'est ça. Et ce qui est cool, c'est que nous, on vous donne pas accès juste à un cours pour que tu viennes faire ton cours, mais c'est en fait une carte qui est valable sur tout le planning hebdomadaire. Donc ça veut dire que tu as accès à tous les cours qui sont dessus. Tu peux faire des cours de danse, tu peux faire des cours de pilates, tu peux faire des cours de yoga, tu peux faire des cours de fitness, etc. Donc ça te donne accès à tout. Donc là en ce moment, comme a dit Heidi, on a une carte de 30 cours et sinon on a aussi une carte de 20 cours qui te donne accès à tout, valable une année. Et là je te propose encore une dernière chose, c'est qu'on a aussi un abonnement mensuel qui te donne accès à tout et qui est du coup moins cher que les cartes, puisque tu sauras que les cartes c'est un petit peu plus cher. Et là tu as un abonnement illimité qui te donne accès à tous les cours, tu viens ici quand tu veux, il faut juste que tu réserves le cours et tout va bien.
Alors, je crois qu'on est arrivé au terme. Oui. Je crois qu'il nous reste plus qu'une chose à te dire, c'est qu'on te dit à plus tard, à bientôt, ciao ciao. Et on a un slogan ici, c'est GapDance, bougez-vous la vie. Thank you.